Et yo tout le monde, c'est Zelvot. On se retrouve pour le deuxième épisode de Game Dev Tycoon. Donc, j'enchaîne directement. J'ai toujours pas changé de jour, j'enchaîne les épisodes là. Et on se retrouve du coup, voilà, Pet Shop se vend quand même bien. Je crois pas qu'il a toujours dépassé. Ah si, il a dépassé 80 000, donc on est quand même un peu au bénéfice. Je suis content parce que je vais. Franchement, on a beaucoup de chance. D'habitude, on aurait pu faire faillite quand même dès le début à cause de ça, mais ça va, on s'en sort bien, franchement. Je vais en profiter donc pour faire une recherche. Science. J'ai une idée de ce qu'on peut développer sur ce thème. Ah ouais, ça va. Il va être retiré des ventes la prochaine semaine, je pense qu'il sera retiré. Yes, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc. Travailler sous un contrat, non, développer un nouveau jeu, c'est ce qu'on va faire. On va développer un jeu sur les fantômes, moi ouais, je sais ce qu'on va faire. Fantômes RPG, ouais. Je sais pas si ça va bien marcher, mais bon, on va faire Ghostbuster. Voilà. Un role player game sur Ghostbuster. Je sais pas si ça va bien marcher, mais bon. Et ensuite, j'économise mes points de recherche parce que j'aimerais développer un moteur de jeu personnalisé. Ah, le gameplay est important. Derrière, c'est ça qui est moins important, voilà. Qui est plus important et ça qui l'est moins. Pour un RPG en général. En général, les RPG, j'arrive assez bien à gérer. Même si Dark Fantasy, là, il était pas terrible. Je me suis loupé sur un truc quand même. Intelligence artificielle, très important. Non, je dirais que dialogue, c'est plus important qu'intelligence artificielle, ouais, quand même. Au contraire, dans un RPG, il faut que ça plonge dedans. Donc, il faut que le dialogue soit très important. Et là, design du monde, très important, 100, on s'en fout, et le graphisme, 33, voilà. Voilà. Et on a les 50 de recherche que je voulais, c'est parfait. On va faire un DLC, toujours, écoutez. On va faire cool caractère texture, je pense. Ouais, je sais pas. Car c'est un jeu, c'est quoi? Attendez, c'est quoi? C'est un RPG, c'est Ghostbuster. On peut faire des nouveaux objets, voilà. Au moins on prend un risque moyen, mais on se permet comme ça de faire un DLC en même temps. Voilà. Donc, nouveau record de points de design. On a évolué sur certains points, voilà. On est niveau 2 sur quasiment tout, c'est cool. Je vais faire un travail sous contrat en attendant parce que quand même, niveau argent, là, c'est la galère. 9-4, voilà, ça devrait passer ça. Alors, les premières critiques. Oh, un bonjour, pas un bonjour. Allez, un 7. Ta la 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 la, c'est difficile. Difficile là de faire des bons jeux. On arrive à s'en sortir, mais c'est limite quoi. Bon, on va avoir 5,50. Bon, si on prend tous les jeux qu'on a fait, c'est une bonne note, mais bon. Parce que si on regarde l'historique des jeux, 5,50, 5, 4, 5,25, ouais, notre meilleur jeu en gros. Wesh, mais ouais, c'est chaud. Bon, forcément, là, 6100 ventes dès la première semaine, ça reste beaucoup quand même, mais bon, on aurait pu largement faire mieux. Ouais, l'Atari 2500, ok. Bon, on a réussi le contrat, donc on a gagné l'argent en plus. Et c'est bien, ça va nous développer. Nous donner des fonds parce que justement si je veux créer mon moteur de jeu personnalisé il va me falloir des fonds monétaires plus importants que alors des études semblent indiquer que l'offre croissante en console de jeux crée aussi un marché pour des jeux plus spécialisés. Certaines plateformes deviennent plus populaires auprès des jeunes joueurs tandis que d'autres s'adressent à une cible plus avertie. Ouais, donc il nous explique que voilà, on peut faire une nouvelle recherche, c'est pour cibler le public, si ça serait un jeu plus pour enfants, pour adultes, tout ça, voilà. Et là, il m'a parlé de créer mon moteur personnalisé. C'est ce que je vais faire justement. Je pense que j'aurais peut-être dû le faire plus tôt, mais bon. Je le lance tout de suite. Ça me prend 50 points, donc c'est énorme. Alors, RPG semble être important. Le sens semble être peu important pour ce type de jeu, ok. Et ouais, bah, j'ai fait une erreur en gros. Vous voyez que ça m'a plombé le jeu, c'est pour ça qu'il faut bien faire son truc après. Par rapport à comment on va associer les thèmes. Et les deux, enfin les deux, le thème et le genre, tout ça,
On va changer plein de choses, c'est assez complet comme jeu. Même si là je galère un peu, franchement, les entreprises, les autres, la presse ne m'aime pas beaucoup, voilà. Je cherchais le nom, j'allais dire les entreprises qui notent, mais non, c'est la presse. Maintenant, on peut créer notre propre moteur de jeu, donc je vais faire une recherche. Ah oui, ouais, j'ai pas assez pour faire une recherche autour de ça, donc bon. Doomsday, je crois que c'est fin du monde, Doomsday. Attendez, je vais aller sur le traducteur vite fait. C'est bien ça, c'est bien jour du jugement dernier, en gros. C'est le. Voilà, c'est la fin du monde. Donc, on va chercher ça peut être intéressant. Ah, et je peux créer un moteur de jeu. Ah, 2DV2 déjà, à 50 000, ça me coûte. Là, 30 000 et sauvegarde 10 000. Mais bon, on a de l'argent, donc je vais me permettre de faire ça, écoutez. On va faire ça. Recherche terminée, c'est pour le moteur de jeu, ça, ok. C'est cool. Je vais faire déjà un petit moteur de jeu basique, simple, mais qui me permettra de réaliser quand même des jeux plus beaux. Et surtout, quelque chose d'important, je pense, la sauvegarde, parce que pour l'instant, on ne pouvait pas sauvegarder, donc bon. On va dire que c'est pas terrible. 2DV2, histoire linéaire, sauvegarde. Quel nom on va lui donner? Je vais marquer ZLV1, voilà. Là, il faut 55 points pour le créer, donc. Problème, ça me coûte déjà 90 000 de le créer. Plus le temps de le créer, tout ça, ça va me pomper de l'argent m'ont pompé de l'argent parce que forcément, je fais rien pendant que je le crée, donc juste ça va me consommer de l'argent. En haut, on voit quand je vais passer, quand je vais arriver, au moins, je vais devoir payer ma maison, quoi, en fait, mon loyer. Voilà, 8 000. Putain, il est cher son loyer en plus. Même en dépense mensuelle, 8 000, c'est beaucoup quand même. Oh, bon, il est pris mon moteur de jeu. Donc, on va développer un jeu avec tout ça. De Doomsday, voilà. Doomsday stratégie. Stratégie, je pense que c'est intéressant pour Govodor. On va essayer. Et le moteur, c'est LV1, voilà. Et on va l'appeler tout simplement The Doomsday en majuscule pour faire plus badass. Voilà. En 2DV2, ça va nous coûter beaucoup plus. Rien que là, on est déjà à 50 000 pour la première phase. C'est énorme. Pour de la stratégie, je dirais que le gameplay est plus important. Et qu'ensuite, ah, j'hésite entre le. On va mettre l'histoire linéaire et sauvegarde. L'histoire linéaire, stratégie, ouais, mais je sais pas, stratégie, histoire quête, je pense que c'est ici. On va équilibrer au pire. Voilà. On équilibre tout ça. J'ai pas trop d'idées, c'est que. Mais au moins, je vais pouvoir faire un rapport sur le jeu après. Obtenir des infos complémentaires, des futurs conseils, tout ça. Donc c'est intéressant quand même de faire des jeux quand même si on sait pas trop les faire, pour au moins avoir des infos dessus après. Alors, stratégie. Je pense que dizaine des niveaux est important pour la stratégie. Ouais. Je pense que le dialogue on s'en fout et que l'intelligence artificielle reste secondaire mais quand même importante. C'est quand même la stratégie donc. Ah quoi que ouais, j'ai peut-être fait une erreur, ouais. Ah, vacuum cleaner, ouais, c'est une clim en gros, je crois. Pour 4 000. Wanted to sell. Ouais, je vais faire ça, écoute. Je crois que c'est ça. Ah, crois que non. Non, en fait, c'était pas ça. Bon, pas grave, j'ai payé 4 000, mais au moins ça crée de l'engouement autour de mon jeu. Bon. Stratégie design du monde, ouais, je pense que là on le laisse comme ça. Je pense pas que le sort soit vraiment très important pour un jeu stratégie. Voilà, on va faire des DLC, toujours des DLC, bien sûr, on me connaît. Des nouvelles maps et des levels en plus, ça va être cool. Ça, allez, on corrige les bugs. Allez, allez, vas-y, yes, on crée, vas-y. The Doomsday. Le fameux. Bon, on s'améliore donc sur certains trucs, ça c'est cool. Faire le rapport, voilà. Je perds pas de temps, je le fais directement le rapport. Allez, oh non, Eh non, mais. Attends, la vie de ma mère, attends, je vais mettre mon froc, attends, je mets mon froc. Attends, je vais m'occuper de ton cas, attends, hop. Je vais mettre mon froc. Voilà, je vais mettre mon froc. Hop. Je sais pas pourquoi je me rate à chaque fois. Ils sont vraiment très sévères sur le début du jeu. Je pense qu'ils seront encore plus sévères par la suite.
Mais là, ils sont très sévères. Très très sévères. Attends. Je me prends du 4,5. Pouah, ouais. Non, 3,5. 4,5, ça aurait été bien. Vu les notes que j'ai depuis le début. Ah ouais, ça va être un échec. En plus, le moteur m'a coûté cher et tout. Ah ouais, je vais être en perte sur ce jeu, je pense. Après, ça va que j'ai 200 000 de côté, mais bon. Clairement, je pense que le DLC a peut-être tout niqué, mais bon. Ça semble être très important le design des niveaux. Et ok. Doomsday et stratégie, mauvaise combinaison. Ok, c'est pour ça. Après, là, c'est une mauvaise combinaison en temps normal, mais des fois, vous verrez que la tendance du public, c'est une case qui s'affichera ici, en plus. Je recherche genre des nouveaux genres, tout ça, donc ça serait intéressant de faire ce genre de choses. Dans ce cas-là, on va rechercher didacticiel, ciblage du public. On va cibler notre public, on a 272 000, donc on se permet quand même de. Et voilà, mais bon, ça me fait un peu chier quand même, parce que l'historique des jeux, je pense, voilà, 20 000 à peine de bénéfices, on est très. Franchement, c'est pas terrible. Encore, on a de la chance, ça se vend un peu. Des fois, ça m'est arrivé de faire des parties, d'avoir des notes vraiment nulles, et que ça se vende même pas en plus. Donc, quand c'est comme ça. Donc, il nous explique pour le ciblage public. Okay. Donc, par exemple, on va faire un jeu de crime. On va faire Grand Theft Auto. Voilà. Une extension en mode toujours le 1, mais version. Une autre version Grand Theft Auto. Version London. Voilà. Ça a déjà existé en plus, je crois, une fois, mais je sais pas. Action. Non, on va le mettre en role player game cette fois-ci. Jeu pour adulte. On va pas le mettre du coup sur la NES, plus une console à fond. On va le mettre sur Govador. Toujours la Govador, toujours. Même si elle perd des parts du marché petit à petit quand même, ça me fait peur ça, mais bon. Les RPG sont très bons dessus, donc bon, on va faire ça. En 2DV2, une amélioration quand même. Et je pense que je ferai pas de. Je pense que je ferai pas de DLC dessus. Franchement. Alors là, j'équilibre beaucoup au début du jeu parce que je cherche à aller vite. Histoire de pouvoir aller dans les phases un peu plus avancées du jeu. Mais vraiment, vers la fin du jeu, ça sera très intéressant parce que. On arrivera, quand on sera vraiment gros, quand on arrivera dans les années 2000, tout ça. Si on est assez gros, à un moment, on peut créer des consoles, tout ça, mais bon. Avant d'arriver à là, c'est assez loin, mais quand tu peux créer ta console, tout ça, la développer, dire ce que tu veux dedans, tout ça, c'est un truc de fou, franchement, je kiffe ce jeu. Design des niveaux, je sais plus si c'est important, je pense que c'est comme ça. Au pire, les deux, on va les mettre à 45%. Voilà, on va pas faire d'escalier là pour celui-là, je vais mettre les deux à 45%. Car je pense que les deux sont aussi importants. Ah, j'ai débloqué une recherche, je peux rechercher pour faire des jeux casual. Ça m'intéresse pas trop de faire des casual, mais bon, pourquoi pas. Design du monde, graphisme, je vais laisser comme ça. Steve O'Connell, oui, une rumeur, oui, oui, ça nous fait de la, ça nous fait de la, de l'engouement qui tournera autour de mon jeu, c'est cool ça. Ah, voilà, Govador, qui est en train de perdre des parts du marché, c'est mauvais ça. Non, je vais pas faire de DLC, désolé. Bon, c'est pas terrible. Là, ok, c'est mon interview. Ouais, ça crée pas mal d'augments, je suis content. Alors là, je vais me dépêcher de t'oublier parce que Govador est en train de perdre rapidement des places, donc c'est pas terrible. Clairement, c'est moyen. Allez, vite, 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 vite. On publie vite. Vite. Dès que je peux faire le rapport, je le fais. Vite. Voilà, là, je peux faire le rapport. J'enchaîne tout possible là parce que le Govador est en train de perdre des parts. Oh oui, 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 le premier bon jeu. Le fameux oui, yes, qui a joué pendant des jours. Oui, c'est ça que je veux entendre. 7, allez, oui, yes, c'est agréable. Oui, je veux entendre des choses comme ça. 10. Assure mon rail. 9, bon, ça va. Ça va, ça va, ça va. Allez, non, non, t'en flingue pas la note, s'il te plaît. 7. Ah, ça me fait 8 à peu près en moyenne. Ah, c'est pas mal. Attends, je vais confirmer. 7,75, eh, c'est notre meilleur jeu pour l'instant. Grand Theft Auto London. Oh là là, regardez les ventes, regardez. Mais c'est incroyable. 10 000 la première semaine et je suis 11e des ventes. Et j'ai pas développé de DLC. Autant j'en aurais développé, ça aurait tout flingué. Ou alors ça m'aurait fait encore plus d'argent. Mais bon. Nintendo a annoncé la Game Boy. C'est incroyable. On est en 1984 actuellement, ouais. La Game Boy est prévue en boutique dans le mois prochain. Bon. Ouais. Oh, ça se voit bien. 30 000.
Et même là, si je regarde les bénéfices, tu as 220 000 de bénéfices juste sur ce jeu-là. Et à la troisième semaine de vente. Incroyable, je vais en profiter, je vais faire des recherches. Comme ça, au moins, je pourrais, la prochaine fois que je développerai un moteur de jeu, j'aurai déjà ça de rechercher et que je peux intégrer dedans, ça sera déjà cool. Par contre, te gratte pas les cheveux pendant 2 semaines, s'il te plaît. Ah, c'est incroyable, le premier bon jeu, oui, c'est celui-là. Incroyable. Pourtant, le premier, ils avaient pas trop aimé les gens, mais là, celui-là, c'est pas mal. Pour pouvoir l'utiliser dans vos jeux, vous devez créer un nouveau moteur de jeu. Incluant cet élément. Ouais, il m'expliquait avec la recherche en gros que j'ai fait si je veux l'inclure dans mon moteur. Voilà. Ah, ça me coûte 15 points, mais je peux pas rechercher un nouveau thème sinon. Et là, c'est quoi? Pour l'histoire, ben pas grave, je ferai avec les thèmes que j'ai actuellement. Le temps d'avoir plus de points de recherche, mais ah, ça fait plaisir. Nintendo a sorti la Game Boy. Je vais essayer de développer un petit jeu pour Game Boy, peut-être. À voir, ouais, ça serait intéressant. Et en tout, attends, il m'a rapporté combien le Grand Theft Auto London? 370 000. Alors qu'il m'a coûté 70 000. Il n'y a aucun jeu qui m'avait rapporté autant. 131 000, celui-là, quand même, c'est pas mal. Ouais, il n'y a aucun jeu qui m'a rapporté vraiment autant. C'est cool, ça fait le premier bon jeu, enfin. Enfin, j'ai envie de dire. Bon. On va passer tout de suite. On va enchaîner Animal Virtuel. Voilà, simulation. Vous savez très bien ce qu'on va faire, mais je vais le sortir sur. C'est parce que je vais le sortir sur Game Boy. Ça, je pense que c'est intéressant. Comment ça s'appelait les. Ah, les. Voilà, Tamagotchi. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, mais bon. On teste, écoute. Hors de DV2. Pour de la Game Boy, je pense que c'est pas mal. Sachant que c'est la toute première Game Boy, il n'y a même pas de couleur, il n'y a pas de rétroéclairage, rien, c'est incroyable. Le moteur, très important, c'est de la simulation. Le gameplay, c'est secondaire, et puis l'histoire quête, on s'en fiche, c'est de la simulation. Le but, c'est de. C'est d'avoir le truc, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vous m'avez compris, je pense. Intelligence artificielle, très important. Ce dialogue, on s'en fiche, et ça, un secondaire, mais je vais le mettre. Je vais pas le mettre non plus à 33, mais je vais le mettre à 40. Genre, c'est un peu moins important, mais c'est quand même très important. Donc, bon, on le met quand même élevé, mais bon. Voilà. Sachant que pour les simulations, il faut avoir plus de points de technologie que design, forcément. Design du monde, on s'en fiche. Graphisme important, et ça, je vais y mettre 35. Voilà. Je peux pas mettre à 35 pis, je vais mettre voilà, le plus proche possible. On essaye d'aller assez vite. Bah, et vous voyez quand il se gratte les cheveux pendant 1 semaine quand même, et le pire il travaille pas quand il se gratte les cheveux. Non, le gars. Alors l'intérêt croissant pour les jeux vidéo entraîne mécaniquement l'augmentation des lecteurs de magazines traitant de ce sujet. Ces magazines offrent aux développeurs un nouveau moyen efficace de promouvoir leur jeu au développement. Ah, je crois que ouais, voilà. Nouvelle recherche marketing, en gros, je pourrais faire du marketing au cours de mon jeu. Ça, je vais le rechercher tout de suite. Ça va être très important. Très très important. Ah, là, je suis bien niveau point de technologie design. Nouveau record pour les deux. Franchement, je pense que ça va faire un petit. Je le sens bien ce jeu. Et je vais rechercher. Je peux pas encore rechercher 40 points de recherche le marketing. Et je vais économiser pour ça. Et je vais faire le rapport sur mon jeu en même temps. Et les premières critiques sont arrivées. Alors, oh là là. Ah oui, 10, et voilà, voyez l'étoile, la magnifique. Oh là là, ah oui, 10, allez. C'est une grosse réussite là, allez, 10, 10, 10, 10, allez, allez, ouais, allez, il manquerait qu'un 10 et ça serait tellement parfait. Ah mais c'est rare, franchement, dans ce jeu c'est très rare d'avoir 4-10. Tu peux avoir 3-10, mais franchement, je crois dans toutes les parties que j'ai jouées, j'ai dû avoir 3 ou 4 fois maximum les 4-10. C'est très rare, mais par contre là, regardez, il va être incroyable le jeu. Il va être incroyable niveau vente. Voilà, regardez. Là, on s'envole 150 000 ventes la première semaine, forcément. Voilà, 100 000 ventes. C'est une étape importante et on a imaginé déjà 1 400 000, c'est énorme. C'est l'envol, voilà. De toute façon, à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Si le jeu était. Vu qu'à l'époque, tu n'avais pas de YouTube ou n'importe quoi pour te donner un avis du jeu, tu devais te fier à la presse. Donc, si tu voyais que le jeu était nul, en général, tu ne l'achetais pas. Mais là, voilà. Tu l'achetais si tu voyais que le jeu était très bien. Et quand tu as un jeu qui était noté 9,75 en tout, si tu fais la moyenne de tous les pires, forcément qu'il va se vendre très très bien. Et du coup, il me propose de déménager dans un plus grand local où je pourrais avoir des employés, tout ça, pour faire croître ma société. Pas maintenant, plus tard. Je vais attendre d'avoir d'accumuler un peu plus l'argent de la chose. Et pour le prochain épisode, on déménagera, mais pas encore maintenant. J'aimerais bien avoir le marketing en fait avant de déménager.
Donc je vais pas utiliser pour l'instant. Et je vais développer derrière un nouveau jeu directement. Pour pouvoir enchaîner. On va faire un jeu de... non, je vais pas faire Dark Fantasy. On est en 4 années après. Ouais, il vient d'avoir la Coupe du Monde du coup. Oh non, il y a eu encore l'Euro. Euro, PAN. Je sais pas si c'est écrit comme ça, les voir. FIFA. Je vais mettre un jeu de foot, voilà, tout public. Genre, on va le mettre sur... Ah, mais je sais pas si c'est très bien les jeux de simulation sur... ouais. Moi, je sais pas, en fait, je vais plutôt faire un jeu de science. Science... Ah, mais non, stratégie, quoi. Mais non, en fait, j'essaye de trouver, mais sur la NES... c'est plus des jeux un peu simples, bah, des casual par exemple qu'il y aurait je pense. Ou des RPG. RPG je pourrais faire avec quoi? Un moderne. Dark Fantasy. Doomsday, on va faire Doomsday, voilà. RPG de fin du monde. Je vais m'inspirer de GTA là. Doomsday S. Voilà. Le braquage de la fin du monde. Moteur, on va prendre le même, 2D, V2. Oh, 400 000 exemplaires à la troisième semaine, je suis numéro 1 des ventes toujours. C'est... Je suis, franchement... Je suis content. J'ai réussi à faire un jeu incroyable, j'ai 4 500 000. Je pense que je vais m'installer, voilà, 5 millions. Tamagotchi, voilà, récemment publié, rencontre un succès inattendu auprès des joueurs. Le studio ZLV est un nouveau venu dans l'industrie vidéoludique. Nous attendons impatience, avec impatience leur prochaine production. Forcément, ça me crée. On voit que j'ai 4100 fans. Donc, forcément, ça me rapporte beaucoup de fans ce jeu. Donc, en gros, là, il va sortir la Sega Gear. Ok. La Vena Gear, donc jeu. Alors, ça, je sais que c'est le plus important du coup. Et ça, que c'est pas important. Donc, forcément, je sais que lui, c'est le plus 2. Voilà, donc, je le laisse comme ça. Or, vendre un demi-million de copies de jeux sans l'aide d'un éditeur. Ah oui, parce que on pourrait se faire éditer les jeux par la suite, mais bon. En gros, semaine, j'ai déjà vendu 500 000 jeux, mais c'est énorme. Et franchement, c'est incroyable. Nous venons d'apprendre que Tamagotchi, récemment publié par ZLV Game, a accumulé plus de 500 000 ventes. J'ai fait en fait un petit jeu qui est pas forcément qui est addictif. Voilà, t'as ta petite bête pour les enfants, c'est bien, il y a tous les enfants qui le veulent. En plus, le jeu coûte pas très cher, il coûte 10 euros, donc bon. Voilà. Design du monde pour un RPG et graphisme. Voilà, je vais mettre ça. Là, j'ai dosé différemment que d'habitude. Je vais essayer comme ça. 80. Eh, hey, les DLC me rapportent quand même un peu. 98,5. Et pourtant, je vais faire des DLC dessus. Je vais faire des nouveaux items. On va faire. Car nouvelle map, tout ça. Pas forcément le. Non, ouais, je vais faire des nouveaux items. De toute façon, j'ai déjà cliqué dans le bon. RPG, j'ai beaucoup plus de design là que de technologie, donc c'est good, c'est ce qu'il faut en général pour un RPG. Et nouveau record 19. Je m'améliore sur les designs des niveaux, design des mondes, graphisme et moi en général, voilà. C'est good. Ah, nouveau recherche disponible, les boss, les éditeurs de niveau et monde ouvert. Je vais rechercher je vais économiser non pour le marketing, je peux bientôt faire marketing, je vais économiser pour, c'est très important quand même le marketing. Alors les premières critiques de braquage de la fin du monde. Ah 7, ah merde. Bon, si ça on va recommencer avec les mauvais jeux, écoute, on va pas faire des bons jeux tout le temps, mais si après on arrive à faire un bon jeu tous les 3-4 jeux, ça serait cool. Bon 6, après t'es encore resté au-dessus de la moyenne, ça se vendra quand même, même bon ça va, 6, ça passe. Il va pas se vendre aussi bien que Tamagotchi, mais bon. Voilà. Bon. Bon, du coup, on arrive à presque 25 minutes de vidéo. Bah, du coup, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des conseils ou même juste un truc, ah oui, que vous pouvez me laisser dans les commentaires, que ça m'intéresserait beaucoup. Des idées de noms par rapport à un type de jeu que je pourrais faire, des idées de noms, imaginons. Maintenant pour un RPG, pour une simulation ou n'importe quoi. Au pire, je ferai les jeux que vous me dites de faire dans les commentaires. Là, vous voyez à peu près quel topic j'ai, quel genre j'ai. Laissez-moi des idées de jeux, je les ferai. Alors, je les ferai dans 2 ou 3 épisodes à chaque fois parce que là, je tourne plusieurs épisodes à la suite. Mais voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.